Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Uncharted 4, probablement le dernier, intitulé La fin d'un voleur. Trop de pression. Ah, salut Gaga. Du coup, direction le bateau. Allez hop. Je pense pas qu'il y ait de requins ou de méduses, ça devrait aller. J'ai pas 45 ans, j'en ai 28. Mais what? Le sopalin, c'est plus rugueux. Merci, Poro. Putain, merde! What? D'où ça pète? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué avec un canon? Oh putain. J'ai peur de ce qu'on va trouver. Sam? Shoreline. Ah non, pas du tout. Osef. Ouais, on lui marche dessus. Osef complètement. Ouais, ça c'est leur habitude hein, de tout faire péter. Donc même dans le bateau ils font péter, mais what? C'était un accident, je ne sais pas. Du coup, Sam. Où es-tu? Merde. Sam! Putain, c'est en train de prendre feu. Sam? Sam? Je fais quoi? Je vais où? Ah! Il peut pas monter, déjà, à première vue. Donc on va pas monter. Voilà, ça y est, c'est le Beans. Non, c'est bon. Wow. Regarde-moi ça. Voilà ton trésor. Trésor d'Avery. Chico. Tout cet or. Allez, go. Oi, oi, oi. Donc un vrai trésor de pirate. Il y en a partout. Sam, on est là pour notre frère. Sam! Sam! Salut Nate. Où est Sam? Oh, il est juste là. What? Sam? T'inquiète pas, il est pas mort. Ce crétin a bien failli tous nous tuer. Je vais le sortir de là. Non, pas question. Tu pourras repartir avec le trésor, mais laisse-moi sortir mon frère de là. Après tout ce qu'il a fait, tu rigoles. C'est noble de ta part, mais non. Si on sort pas tout de suite, on va tous y rester. C'est ça que tu veux? C'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes d'accord, Nadine? Ravi de vous voir sur pied. Soyez gentil et soulagez Nate de son arme. Donne-moi ça. Tu crois que tu peux lui faire confiance? Hein? Te mêle pas de ça. Qu'est-ce que t'essaies de faire exactement, Nate? Nadine et moi, on est partenaires. Et moi, j'en tue pas mes partenaires. Pousse-toi de là. Par contre, ton frère et toi, dès le début, vous avez tiré profit de ma générosité. Vous avez essayé de m'évincer, et il est grand temps que je vous donne... Qu'est-ce que vous faites? Ah, je m'en doutais. Donnez votre arme. Nadine? Ne me forcez pas à le répéter. Vous êtes sur le point de commettre une énorme erreur. Regardez-la. Nadine, ça suffit... Putain! J'ai dit regardez! Ça va, ce que je vois c'est deux squelettes. Et alors? J'en connais pas autant que vous sur l'histoire en général. Mais je devine assez facilement de qui il s'agit. Eh bien éclairez-nous. C'est Avery et Tew. Ils sont entretués. Tant mieux pour eux, quelle importance. Tous ceux qui sont obsédés par ce trésor récoltent ce qu'ils méritent. Et alors, tu vas nous laisser crever ici? Je vais juste vous laisser. Que vous croviez ou non, j'en ai rien à foutre. Nadine, attendez. Adieu, Rafe. Nadine, ouvrez-moi cette putain de porte tout de suite. Rafe, elle est partie. File-moi un coup de main, qu'on sorte tous d'ici. Oh, la vilaine. Je pensais qu'elle en voulait juste à Rafe. On peut pas finir comme ça.
Aide-moi à libérer ça, mais je t'aide à ouvrir la porte. Non, non, j'arriverai pas à profiter tranquillement d'une seule de ces pièces. Aussi longtemps que ton Vorian frère et toi, vous serez pas 6 pieds sous terre. Ok, écoute. Calme-toi. Si tu veux, on pourra jouer au pirate quand on sera deux. Nate, ferme-la! Hey! Trop dur que j'ai pas d'armes! C'est de la folie, même pour toi! Tu veux de la folie? Nathan Drake a fait la course contre une espèce de taré! Ah merde! Son armée aux marches de Shambhala! Ah putain! Nathan Drake a trouvé une cité perdue au beau milieu du désert de Rubalcali! Mais rond, mais ah, ah, ah! On va y arriver. Mais hé! Bah j'appuie pas si vite, qu'est-ce qui se passe? En même temps, faut être au taquet de ouf, hein. Allez, merde! On peut s'en sortir tous les deux! Nathan Drake fait la découverte du légendaire Eldorado! Ah merde, il fait des combos maintenant. Quel enfou... Ah non, mais c'est trop chaud, là! Allez, arrête! Arrête! Nathan Drake est une légende. Tu sais, l'homme qui m'a dit ça, je l'ai tué. Arrête, allez! C'est bon, j'ai compris que tu m'aimais pas, mais tu... Eh ben, tu vois, Nate, malgré toute cette grandeur, tu n'as rien. Tu n'es rien. Et je t'avais pourtant prévenu de ne surtout pas croiser ma route. Mais laissez-moi tranquille. Est-ce que paye? Deux petits voleurs à la manque, un arnaqueur décrépit et une journaliste sur le retour. Putain, mais il est vénère! Ça suffit! Et oui, le mec, c'est un warrior. Deux coups de sabre et toujours debout. RF. Tellement à ta petite bande de losers que je vais faire en sorte qu'ils te rejoignent. En garde, tête de nœud! Ça, c'est l'esprit. Comment ça se passe? Fais te battre à l'épée? Ouais, je te pique avec le bout pointu, c'est ça? Ouais, tu l'embroches. Tiens, mais embroche-le direct! D'accord, attaquer tout... Non, mauvaise idée d'attaquer. My god! Donc, heureusement, nous sommes un mutant. On a une régène de fou. Calmos, mon gars. Ah merde, j'ai appuyé sur triangle. Ah, il fait... Il m'a brain, trop duc. C'est pas évident, hein. Allez, esquive. Putain, là j'ai appuyé deux fois sur rond, putain. Mais... Faut vraiment que je me concentre. Hein. Allez, mec. Ok, calme-toi, calme-toi, ça passe pas. Tiens, mais au lieu de lui mettre des tartes. Calme-toi, mon gars. Ne bouge pas. Aïe. Ah! Mais calme-toi, mon gars! Putain, mais il me fait des combos, mais calme-toi, calme-toi. Maintenant, il fait des combos à 4 coups, mais oui, bien sûr. Les ronds, ça marche pas, mais te fous pas de ma gueule. Ça risque d'être un peu douloureux. Dégage! Ah, on l'a tranché. Allez, la légende. Ah merde, je regardais le décor, moi. Calmos, mon gars. Hé, rond! Mais... Des fois, j'appuie, hein.
Il part plus rien. Alors t'es. Allez mec. Mais. Ah mais oh, je vois plus rien là, le jeu là. Voilà, va dans les flammes. Mais what? Je suis légèrement déçu, mec. Ah oui, légèrement déçu, oui. Non mais alors la caméra par contre, elle m'a fait prendre un coup supplémentaire. Je ne suis pas d'accord, bonjour aux nouveaux arrivants. C'est un fail, GG. Mais, j'appuie hein. I don't agree. Heureusement, il y a des points de contrôle. On recommence pas depuis le début. Putain, je commence même à transpirer tellement que je suis au taquet. Mais j'appuie sur triangle, bordel! Tu m'en kikines le jeu, hein? Mais il va trop vite aussi. Mais triangle, oh, oh. Ah, laisse-moi régène. D'accord. Mais rond. Mais... Oh putain. Ah, les enchaînements sont un peu trop longs là maintenant, je trouve. Ça commence à être bien chaud. Voilà enfin le Nathan Drake dont on parle tant. Ok, je m'en rends. On en reste là. Je prends mon frère et on s'en va là. Si tu veux rester brûlé ici, te gêne pas. T'as gagné. Tout ça pour ça? Je vais te dire, Nate. Sous tes airs de sale frimeur, t'es rien de plus qu'un gosse malheureux. Qui aspire, en fait, à la grandeur. Et qui manie l'épée comme un pied. Adieu, Nathan Drake. Nathan! Hé! Mais... Tu sais vraiment pas t'arrêter, c'est fou! Calme-toi, mon gars! Résiste! Putain! Oh! Saloperie de plateau d'argent! What? Il a pété mon sabre! Ça m'appartient. Tu veux le trésor, Rafe? Alors prends-le. C'est pas vrai. Allez, viens, on va te sortir de là. J'y arrive pas. C'est trop lourd. Essaye encore. Ça sert à rien. Essaye encore. J'y arrive pas. Écoute-moi, écoute-moi! Ce que je voulais par-dessus tout, c'était trouver ce trésor avec toi. Ça, on l'a trouvé. Fais pas ça. On l'a trouvé, petit frère. Tout va bien. Il doit bien y avoir un autre moyen. Tu dois me laisser forcément quelque chose. Tu dois me laisser! C'est obligé! Il n'y a plus rien à faire! Maintenant, j'ai besoin d'être sûr que tu t'en es sorti! Maintenant, il faut que tu sortes avant que tout explose! J'ai trouvé! Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qu'il fait? Nathan? Essaie de te protéger! What? Oh, il est trop malin. Vas-y, pousse-la! Sors vite! T'es vraiment un sale petit! J'étais à bonne école! Ah.
Ah mince, je crois qu'on était en cinématique. Tellement que c'est magnifique. Allez, allez. On y croit. On y croit. J'ai dit on y croit. Mais ça passe. Oh putain. J'arrive, Sam. Allez. Allez. Sam, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas, allez. Bon, t'as rien oublié. Non, je crois que c'est bon. Surtout, te gêne pas pour vendre tout ce que je laisse. T'es sûr que tu veux pas que je vous ramène ? Après tout ce qui vient de se passer, je crois que je préfère prendre un avion avec open bar et siège inclinable. Et puis, Elena et moi, il faut vraiment qu'on parle. Ça c'est sûr. Et arrête de m'appeler en pleine nuit pour me supplier de t'aider, t'as compris ? Juré. Je t'en remercie. Et gaffe à toi, petit. Et on reste en contact. La prochaine fois que tu passes, je te paye un coup. Ça, je te le rappellerai. Et alors, le lapin, il se met à détaler, sauf qu'il avait laissé tout un tas de petits cadeaux sur le plumard du directeur. Hey, qu'est-ce que tu lui racontes, là? Alors comme ça, tu voulais être magicien? Je te déteste. C'était quoi ton nom de scène? Allez, dis-lui. Nate le Grand. Rigole pas, tu sais que c'était justifié. Pour sa défense, il était plutôt... t'étais doué. Écoute, Sam, j'avoue que ça a été... une sacrée expérience de te rencontrer. Une poignée de main? Bah... Arrête tes bêtises et viens là. Et prends bien soin de cette andouille, ok? J'y manquerai pas. Vas-y, je te rejoins. Ok. Elle est chouette. La pauvre, elle a l'air très amoureuse de toi. Ouais, la pauvre. L'offre tient toujours, tu sais. C'est très gentil, mais ça va aller. Je sais, mais ne crois pas que tu t'imposes, Elena et moi. Mais non, t'inquiète, c'est pas pour ça que je te dis non. D'accord, c'est un peu pour ça, mais... Je pensais que, après avoir trouvé le trésor d'Avril, je me serais senti... satisfait. Ouais. Au lieu de ça, j'ai comme... J'ai comme une étrange sensation de... vide total. Ouais. C'est toujours pareil. Aussi exaltante que puisse être l'aventure, au final, on ressent toujours la même chose. Mais on n'a pas vraiment le choix. Faut décider de ce dont on a besoin et ce à quoi on renonce. Bah... Je crois que j'en suis pas encore là. De toute façon, t'as quelques cités perdues d'avance sur moi et je peux vraiment pas laisser passer ça. J'en ai quand même laissé quelques-unes. C'est trop gentil. Ah, tiens, c'est notre taxi. Bien. Sam, on revient de loin. Tu l'as dit, petit frère. Viens là. Surtout ne fais rien que je ne ferai pas, ok? Pff, allez, barre-toi, brigand. Du feu ? Ouais. Alors, Victor,
qu'est-ce que t'as prévu, Ouais, avant de me retrouver dans cette histoire, j'étais sur le point de réaliser une sorte de transaction. Et de quelle sorte, Dangereuse? Oh, vu mes partenaires, oui. On peut dire ça. Ben, justement, tiens, je connais un mec qui vient juste de sortir de prison et qui serait parfait pour te filer un coup de main. Oh là, je sais pas. Il est digne de confiance? Plus ou moins. Il parle portugais? Quando o seu marido voltar para casa? Et ça veut dire quoi? Dans combien de temps il rentre ton mari? Ça ira. Allez. Il te resterait pas un de ces cigares? Bouge pas trop le bouchon. Ouais, comment ça va? Ça va très bien. Très très bien. Allez, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? T'as décroché un gros contrat? Oh, bien mieux que ça. Je suis sur le point de vendre Jameson Marine. C'est pas vrai. Eh si. Waouh! Dans ce cas, j'imagine que les félicitations sont de rigueur. Non, c'est pas encore fait, mais ça devrait pas tarder à se conclure. On a rudement négocié. Mais finalement, on a réussi à trouver un compromis très satisfaisant. Ah bah écoute, c'est génial. Ouais. Est-ce que tu comptes rester? Non. Il est grand temps que j'aille profiter du temps qui passe avec ma famille et que je me laisse aller au gré du vent. Tu le mérites. Alors, dis-moi, c'est qui ce pigeon qui va tout racheter? Non, bah c'est toi. Quoi? Non, arrête, sérieusement. Mais je suis très sérieux. Attends, Jameson. Attends, mais où tu vas, là? Salut! Comment ça va, vous deux? Qu'est-ce que t'es venu faire, là? J'ai pensé que ce serait bien de venir jeter un coup d'œil. J'ai donné les clés à ton mari. Mais... Parfait. C'est vrai, tout ça? Nate, ne perds pas de vue que ce serait un investissement très raisonnable. Alors fais le bon choix. Tu m'appelles après? Je le ferai. Salut. Salut. Tu vas acheter Jameson Marine? On va acheter Jameson Marine. Oh. Ok. Comment? Et pourquoi? Ben, j'ai entendu parler d'une opération de récup au large de la Malaisie et je me suis dit que c'était pile dans nos cordes. Non, chérie, écoute. On a failli partir de Libertalia les pieds devant. Je sais. Alors, accepter une opération illégale, tu sais exactement où ça va nous mener. Mais qui a dit que c'était illégal? Regarde. C'était au courrier ce matin. Elle est en règle? Ouais. Une de mes anciennes sources, elle a eu qu'à claquer des doigts au bureau des autorisations malais. C'était top, j'ai même pas eu à payer qui que ce soit. Ben, heureusement, parce que je vois même pas comment on aurait pu se permettre un truc pareil. Tiens. Donne-moi la main. Quoi? Allez, donne-moi la main. Allez. Ça, alors. Ouais. Où est-ce que tu l'as trouvée? Elle était dans la poche de ma veste. Avec toute une poignée d'autres. Une poignée? Sam. Je sais pas comment il a fait. Bien sûr, tout ça va servir en grande partie à financer cet achat. Ainsi que du matériel de tournage. Tu veux t'y remettre? Ouais. Comme on est parti pour remonter toute la cargaison, je me suis dit qu'on pouvait peut-être embaucher quelques personnes et tout filmer et relancer mon émission. Mais je croyais que ce que tu voulais, c'était de vivre une vie ordinaire. C'était ce que je voulais, mais à cause de ça, j'ai peut-être un peu
perdu les pédales. Écoute. Finalement, j'ai réalisé que toutes ces aventures qu'on a vécues, tout ça me manque, Nate. Et là, on a une chance de faire ce qu'on aime le plus. Mais à partir de maintenant, il faudra qu'on fasse en sorte de toujours respecter la loi, ok? Et c'est moi qui réaliserai tous les tournages, avec bien sûr mon matériel dernier cri. Waouh. T'as bien réfléchi à tout ça, on dirait. Oui, plus ou moins. Mais tu sais, t'as qu'un mot à dire et j'annule tout avec Jameson. Quoi ? Non, 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 non. Moi, je veux pas être le salaud qui va tuer dans l'œuf le rêve de Jameson. Ce serait cruel. C'est vrai, oui. Ça va pas être facile. Comme tout ce qui en vaut la peine. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Nathan Drake ? Je dis lançons-nous. Mm. Du moment que c'est pas moi qui m'occupe de la paperasse. J'aurais pas le temps, moi. Je serais bien trop occupée avec mes tournages. Et moi, je serais bien trop occupée à plonger. Bon, d'accord. On le fera chacun notre tour, alors. Ok. Ou alors, on pourrait le jouer à qui tout double ? À mon jeu ? Je me suis entraîné depuis la dernière fois. Je maîtrise maintenant. Non. Si, et j'ai une bien meilleure coordination qu'avant. Je te jure. Tu veux vraiment que je te remette la pâtée ? T'as peur de perdre ou quoi ? Contre toi, sur non, une échelle de 1 à 10, à quel point je te fais peur ? Ben, je dirais 3. Ouais, arrête, sois honnête et dis plutôt que t'es à 11. Mais t'inquiète, 11. Je vais te faire ta fête. Tu crois ça ? Ouais. Et voilà, c'est reparti. Ok. Ok, tu l'auras voulu.